On se retrouve. Parce que c'est important de se retrouver, sinon il n'y aurait pas de vidéo. Allez, on charge les données. Charge les données, on a été à une machine. Machine à écrire. Et plus précisément, ici. Ici, là, il faut qu'on aille à l'église maintenant qu'on a trouvé la clé. La clé qui était là-bas. Alors, on avance. Un aventure. On prend ça, on prend ça, on y va, et normalement c'est sur la gauche. Oh. Soit je les avais pas vus, soit ils ont fait respawner ces trucs là alors qu'ils n'ont jamais fait respawner les autres. Mais bon, ah si, il y a des nouveaux trucs qui sont ici. Il y a du loot. Des nouvelles choses qui sont arrivées. Excellent! Ah bah non! J'étais sûr que ça allait être une arène ce truc là. J'étais sûr que cette grande porte allait faire la merde. C'est le El Gigante, c'est ça? Je peux essayer de le dire. Il faut éviter d'avoir des ads avec ça. Ah oui, en effet, il est bon. Eh bien, on sait sur quoi on va passer l'épisode. Bonjour, bon. Oh, il one shot, lui. Hein. Ah, il vise bien. Wow. Alors, attention. Attention, c'est parti. Léon versus El Gigante, round 1. C'est pas ça que je vais faire. Il a fait trop mal. Il m'a mis dans l'orange direct. Pour qu'il ne soigne pas. Je crois que ça fait du bruit, on s'entend pas. Il est où? Il est là. Je me trompe de touche à chaque fois. Bonjour! Trop bien. Oh là là, oh là là. Oh le loup! Le loup qu'on a aidé! Hey, it's that dog! Ah le chien, pardon, le chien qu'on a aidé! Comment t'expliquer? Tu ne peux pas. Oula, merde. Oh, ok, il est sur le chien. Oh, le chien fait diversion, excellent! On recharge. Tu les coups, il va prendre la race. De balles, ce bâtard. Ah! Ah, mais c'est dégueulasse. Ah oui, oh oui! C'est comme dans Hero 6. Au début, je voulais courir dessus. C'est ce que j'ai fait. Je voulais tirer dessus. Je crois que c'est l'épisode 2. Je sais pas exactement ce à quoi je pense. Ah! Bon, d'accord, donc on met à genoux. Oh, il a un arbre. Oh merde, oh, il m'en veut vraiment. Oh bâtard. Bah non, mais là maintenant j'ai progressé donc je veux pas mourir. Utiliser. D'accord. Bien. Oh, merde. La maison. T'as pas de race. C'était ma maison. Bien sûr qu'il vient sur moi. Mais pas sur le chien un peu, là, y a un chien. Regarde, il est beau le chien. Hop, on prend. On prend. Ah, ça semble... ah, ah, il revient. Ah, il est grand. Vas-y, on prend le truc. Ah. Vas-y, on prend aussi. Ah, il faut faire des combinaisons. Combinard avec ça, ça, combinard avec ça, et puis voilà. Oh, excellent! D'un coup, je me suis mis comme ça là, je fais des choses. Hop là, on a tout récupéré. C'est bon, il a appliqué synchronaire. Il a fait son esprit de faire. Allez! Merde! Il faut que je recharge maintenant. Oh, il y a une autre plante ici.
Excellent. Ah, il y a plein de trucs là-dedans aussi. Waouh. Laisse-moi tranquille, le chien ne fonctionne pas, j'en répète, le chien ne fonctionne pas. Putain, il m'en veut vraiment. Il est vraiment chaud. Oh, je vais me tromper de touche à chaque fois, c'est ouf. Ok, on a à nouveau 50 balles. Wouhou, il y avait un petit point là. Oh merde. Excellent. On charge. Alors là, on se rapproche. Pour si tu tires dessus, je sais pas si ça marche. Je sais pas. Je me suis dit peut-être que ça doit marcher aussi. Mais j'avoue que je n'ai pas trop envie de tester. Généralement, les QTE dans RE, ça marche plutôt bien. C'est voire même la seule solution pour faire des trucs. Putain, il est déjà là. Va vite. Il va vite, mine de rien, le petit bâtard. Enfin, petit. Est-ce qu'on peut vraiment dire petit? Comme un charmeur. C'est l'épisode où je veux appuyer sur la touche pour viser et j'appuie sur toutes les autres touches, dont celle des couteaux, notamment. Oh, il est beaucoup trop proche. Beaucoup trop proche. Oh, les munitions. Excellent. Allez, en popotin. Merde. Ah merde, j'avais plus du tout. Ah. Changement d'arme, du coup. Pourquoi est-ce que j'ai beaucoup d'armes pour le fusil? Enfin, fusil beaucoup. On va prendre ça, j'ai la rase de munitions pour le pistolet. Ce sera un peu plus long. Heureusement qu'on a amélioré ses dégâts. Ah, je comprends, j'ai un pistolet. Oh merde. Déjà là. Oh mais il va beaucoup trop vite. J'aimerais avoir un chef qui fonctionne s'il vous plaît. Vas-y le chien. Surtout maintenant que j'y vais au petit pisto, ça va prendre du temps cette histoire. Faut le remettre à terre là. En plus si c'est un boss Nintendo, ce qui n'est pas du tout le cas vu que ce n'est pas un jeu de Nintendo, il faut le mettre à terre trois fois. C'est comme ça que ça marche. Excellent. Go, 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 go. Heureusement qu'on était pas trop loin quand on s'est mis à jouer la première fois, mine de rien. Donc ouais, tu vas être temps pour trouver ça. Et voilà. Excellent. J'ai eu un peu peur. C'est un petit QTE en mode faut pas qu'il tombe dessus. Succès déverrouillé, combat poids libre. Ah que le poids doit être libre pour que ça marche. 15 000 putain, c'est... le loup, oui le loup. Le loup est parti. Enfin le loup, le chien. Les moins 10 c'est un chien donc c'est un chien. Le chien est parti. Vive le chien. 1000 ptas. On est bien. Hop. Plutôt cool. Vu que la sauvegarde est juste à côté, on va peut-être sauvegarder quand même. Parce qu'on a quand même fait un truc plutôt pas mal. Et après, il faut revenir là-bas et tout ça. Oh merde!
Oh merde. Il est mort. Il est pas mort du tout. Il est résistant en plus ce bâtard. Il faut 10 000 munitions. Hein. Ah, des munitions de TMP, plutôt pas mal ma foi. Du coup, je suis... Ah, je suis déjà allé de là en fait, d'accord. Et il y a des zombies qui sont revenus, quoi. J'ai juste utilisé des munitions pour rien. J'ai globalement utilisé des munitions pour rien. Ok. Alors bien sûr, je ne peux pas racheter des munitions ici. Où est-ce qu'on en est dans notre inventaire? J'ai des trucs pour me soigner là, c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai des trucs pour me soigner. C'est le bordel. Complètement les bordels. Alors, ça. Munitions encore pour lui, mais pas beaucoup. Fusil, ça va. Fusil à pompe, ça va. Petit flingue, c'est, ça va. Donc on va juste recharger celle-là. Voilà. Puis voilà. Je vais même garder celle-là. Si j'ai plus vraiment vu beaucoup de balles. Petit flingue. Got a selection of good things on sale, straight. What good are you selling? Spinel. Spinel for the. Is that all? Thank you. What are you buying? What are you buying? Ouf, hein. Ouais, what are you buying? Toujours la même rangin. Is that all? Hop, la puissance de feu du shotgun, ça fait plaisir. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir. Vas-y, on écrase les données. Et on retourne à l'église. Allons-y. J'ai un pote qui m'a dit, quand tu seras contre El Gigante, pense à moi. Tu te reconnaîtras, je te le dis. Je pense à toi. J'ai pensé à toi pendant que je me battais contre El Gigante. Oh, le tonnerre m'a fait peur. On est là. Rien du tout ici. Rien du tout. Bon, on va se retaper du zombard, hein, je pense. Enfin, pardon. Du paysan infecté. Je vois rien, mais il y a une maison là-bas. Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait un petit qui se cache. Non, mais il y a de nouveau des boîtes. Par contre, il y a des boîtes où il y a des serpents dedans. Donc je me méfie un petit peu. La vie, c'est important. La vie, la vie, la vie. Ah, le loup. Le chien. J'y arriverai jamais. Il me dirait s'il y a des zombies. Oh, oh, merde. Oh bâtard. J'avais pas vu que ça n'était pas le mien. Oh les enfoirés. Oh les salauds. En plus, ils m'ont enlevé la race de vie là. Impossible de l'ouvrir, un orifice circulaire. Mettons de quoi remplir cet orifice circulaire. Et...
Ah, les salauds. Sérieusement. Moi, je croyais que c'était mon chien, tu sais. D'accord, visiblement, il n'y a pas de trésor particulièrement caché ici. Ah, une échelle, ouais. Trop bien. On va garder le shotgun parce que c'est un milieu de type resserré. Cet insigne apparaît partout. Je me demande s'il s'agit d'une religion locale. Bien sûr, c'est un groupe fanatique appelé les Illumino, là. Illuminato. Les Illuminato. C'est eux qui ont tout fait. Eux. Encore une vieille culture du surhomme, là. Ils s'injectent des trucs pas très très nets. Ça les fait kiffer, voilà. Bon. Faut le dire au bout d'un moment. Ils font ça pour se faire plaisir, avant tout. Ashley doit être dans les environs. Il doit bien avoir un moyen de l'ouvrir. Attends, je suis tenté de faire ça. C'est un truc à moi, ça? Un truc bleu, là? Non, c'est pas un truc à moi, ça. La carte me l'aurait dit. S'il y avait un truc bleu. Pas de truc bleu. Passer au travers, ça veut dire qu'il n'y a pas de colle. De bien avoir... Ah bah oui, il y avait des trucs. Il se passe des choses. Alors, il y a des trucs de couleur, puis là aussi il y a des trucs de couleur. Si je tire dedans, je pense que ça va rien faire parce qu'il n'y a pas de laser qui fait un truc genre. Donc c'est un problème. Il s'est retourné d'un coup. Là. Donc la question est comment est-ce que j'interagis avec ça, comment est-ce que je les allume, comment on fait des trucs. Énigme, je suis coincé. Attends. Est-ce qu'il y a les couleurs, elles vont avec les trucs là. Non, je peux pas tirer non plus. C'est rare. Eh oui. Parfaitement, monsieur. Parfaitement. Gâcher des balles. Où est-ce qu'il y a un boîtier de commande dans ces choses? Où est-ce que je peux trouver de quoi faire quelque chose de bien de ma vie? Ah, je peux sauter. Maintenant. Ah. Pas vraiment ce à quoi j'aspirais, mais on a découvert quelque chose de nouveau. Un nouvel élément dans ce bâtiment extraordinaire qui consiste à sauter sur les chandeliers. Comment... À quoi ça me sert de sauter sur le chandelier? Ah ouais, il faut le faire au bon moment. Le... moment dit bon. Donc ça, c'est pareil, c'est fermé. Mais de l'autre côté, on a peut-être des choses intéressantes de type un gros panneau de commande, voilà exactement, c'est ce qu'on veut. Des ptas, grenade incendiaire, j'ai pas assez de place pour la grenade incendiaire, arrête. Arrête, t'as pas le droit de me dire ça. À la place de l'aveuglance, hop. Voilà. Alors, on a des couleurs. Quelle couleur voulez-vous activer? Mais tu m'en poses des questions, toi? Ah oui, il faut les tourner dans le bon truc et tout. Alors attends, on va commencer par le vert. Tourner, non. Tourner, non. Tourner.
Oui. Ensuite. Le rouge. Là, c'est pas bon. C'est pas bon. Là, c'est bon. Le bleu. Je suis très fort pour ce jeu. Le bleu, c'est bon. Combiné. Et voilà. Excellent, n'est-il pas ? Oh, on a résolu un puzzle. Vraiment dingue. Bravo, bravo, félicitations à vous tous. À nous tous. On a réussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Allô, oui, bonjour. On m'a dit qu'il y avait Ashley. Ah, Ashley, c'est toi ? Ah, oula, non, oh, oh, oh. Hey, take it easy. No, get away. Calm down. Everything's going to be just fine. My name's Leon. I'm under the president's order to rescue you. What? My father? That's right. And I have to get you out of here. Now come with me. Succès déverrouillé. Secourir Ashley. C'est épisode de succès. Leon. I've succeeded in extricating my subject. On se casse. Good work, Leon. I'll send a chopper over right away. Where's the extraction point? There's another trail that you can take to get out of the village. The chopper will pick you up beyond there. Got it. I'm on my way. Manuel de jeu 3. Les changements de touches n'étant pas indiqués ici, soyez attentifs aux fonctions des touches. J'ai pas changé mes touches. Alors. Ordre. Léon peut donner des ordres à Ashley. Oh là, ça va devenir relou. En lui disant « Attends ou suis-moi » par le biais de RB. Ashley, le bouton d'action. Dans certaines situations, Léon et Ashley peuvent coopérer pour surmonter les obstacles. Donc parfois il va falloir que j'aide Ashley. Et parfois il va falloir que j'aide Ashley. Santé d'Ashley. Vous pouvez utiliser des objets de guérison pour soigner Léon, mais aussi pour soigner Ashley. Ah d'accord, donc elle va me pomper l'air. Ashley est la fin de partie. La mission de Léon se soldera par un échec, si Ashley meurt, ou si elle se fait emporter par des ennemis. Ah oui, d'accord, elle peut se faire kidnapper à nouveau. Mais là, on n'a plus le droit d'aller la rechercher. Elle se fait kidnapper, c'est fini. Le point d'exclamation. Ceci indique qu'un ennemi est en train d'emporter Ashley. Bâtard. D'accord, donc là, ça va devenir compliqué. Avec RB, je lui dis viens ou viens pas. Et je peux améliorer sa barre de vie de la manière que j'améliore la mienne. Ça va être compliqué. J'arrive déjà pas à me gérer moi-même. Et maintenant, il faut que je gère la fille du président. Ah, attends, c'est ma mission, c'est vrai. Je suis pour ça. Bon, okay. On assume. C'est comme ça. Oh, regarde, Ashley, c'est comme ça. Est-ce que je peux donner une arme à Ashley, tu vois? Genre. On va combiner. Voilà. Je sens que ça plutôt pas mal. On va utiliser ça pour. Remarque, je. Ah oui, maintenant je peux faire ça. Non, je vais le garder. Je peux encore prendre un coup, je pense, avant de l'utiliser. Ok. J'aimerais bien un truc pour sauvegarder. Il faut que j'aille où, là? Ah ouais, oh, faut que je retourne au village. Et là, c'est quoi, ça? Là, c'est un autre passage. Ah oui, c'est là que je vais pouvoir refaire les assiettes. Faut que j'aille là de nouveau, que j'en fasse les assiettes. Mais ça, j'ai déjà été par ici, hein. Ah, c'est en rouge parce que j'ai pas le droit d'y aller. Non? Je sais pas. J'en sais rien. Là, il y aura un marchand. Il y aura un autre marchand. Il y aura plein de marchands. Ah, ici, on va pouvoir choisir un chemin, peut-être. Ça va être dingue. Mais de toute façon, on reviendra ici au même endroit. Et la destination est là. Et on n'aura pas tout vu parce qu'il restera encore des trucs. Ok. Mais oui, il n'y a pas de machine à écrire avant un moment, là. Faut que je repasse le... Le cimetière et tout, waouh. Waouh. On a pas intérêt à mourir. Bon, il y a des checkpoints. Mais moi, tu peux sauvegarder, quoi. Ah, la dangerosité du truc. Bon, bref, maintenant on a... Ah, il faut que je la rattrape. Ah ouais. Elle peut pas descendre les échelles. Ça va être compliqué.